Le 13 juin dernier, Sofia Elkvist et le prince Carl Philipp fêtaient leur premier anniversaire de mariage. À la rentrée prochaine, le couple donnera rendez-vous une nouvelle fois aux journalistes pour le baptême de leur petit Alexander. En avril dernier, le prince Carl Philipp de Suède était ravi d'annoncer que sa compagne Sofia Elkvist avait accouché de leur premier enfant, un petit garçon de 3,6 kg et de 49 cm, révélant, dans la foulée, que le prénom du bébé était Alexander et publiant depuis des photos de ce dernier au compte-gouttes. Alors que les jeunes parents ont fêté leur premier anniversaire de mariage le 13 juin, Carl Philipp de Suède et Sofia Elkvist donneront rendez-vous une nouvelle fois aux médias à la rentrée prochaine pour célébrer le baptême de leur fils, Alexander. La date du troisième baptême organisé au palais royal de Rottningholm en moins d'un an a été dévoilée par la couronne suédoise. C'est le vendredi 9 septembre prochain qu'aura lieu le baptême. Il n'est pas rare que la couronne suédoise donne des nouvelles du bébé sur les réseaux sociaux. À la suite de la naissance d'Alexander Erik Hubertu Bettil, on pouvait découvrir le très joli minois de l'enfant en train de dormir sous sa couverture. C'était le papa lui-même qui avait pris ce très joli cliché en direct de leur nouvelle propriété de Esjo Pavilljongen, le pavillon du lac, l'ancienne demeure de la princesse Victoria et du prince Daniel située à Drottningholm. À noter que le petit garçon porte le titre de prince de Suède et de duc de Södermanland. I think you